Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Et si on mettait un peu de couleur dans cette vidéo, comme la vidéo précédente, ça pourrait pas être mal. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé de bon pour ce soir? Comme vous avez pu le voir dans le titre, avec tout simplement vous faire partager ma collection de jeux de Nintendo Switch. Alors j'en possède un total de combien de jeux de Switch? Alors 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors nous sommes à 12 jeux. 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 jeux. Je possède un total de 21 jeux de Nintendo Switch. Et je voulais faire montrer dans cette vidéo. Alors je sais que j'avais déjà fait une vidéo auparavant sur ma collection de Switch, mais j'en avais pas beaucoup. Là j'ai attendu d'avoir les 20 jeux pour faire la vidéo collection. Alors faut que vous sachiez que la Nintendo Switch, j'apprécie énormément cette console. C'est la meilleure pour moi de chez Nintendo. Et j'achète pas beaucoup de jeux Switch parce qu'ils sont un peu chers, les jeux Nintendo Switch. Du coup, j'en achète pas beaucoup. J'achète vraiment les exclus. Enfin, si je peux trouver les exclus Switch, je prends. Sinon, bah, j'en trouve pas. T'es pas trop cher sur Vinted, tout ça. Même sur Amazon, des fois ça vaut le coup, mais la plupart de mes jeux, je les prends sur Vinted. Allez, c'est parti, nous allons commencer la vidéo, en espérant que cette vidéo va vous plaire et vous relaxer, et peut-être après cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de DVD, de films. J'en ai vraiment pas mal à vous présenter. Et d'ailleurs, avant que la vidéo commence, avant que j'oublie, dans l'onglet communauté, c'est mon dernier post que j'ai posté il y a 3-4 jours, même 5 jours, je sais plus exactement. Je compte lancer un nouveau concept sur la chaîne. Mes abonnés font de l'ASMR. N'hésitez pas à aller voir mon post sur mes abonnés font de l'ASMR. Il y a déjà 4 participants qui sont intéressés de participer à la vidéo. Du coup, j'ai déjà deux abonnés qui m'ont envoyé leur vidéo et j'attends les deux autres. Et n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram pour qu'on puisse en parler si vous êtes intéressé, si vous voulez passer dans ma vidéo. Tout simplement, ça sera mes abonnés font de l'ASMR. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir sur Instagram, le lien est dans la description. Voilà, maintenant on peut commencer la vidéo. Alors pour le premier jeu, alors 9 Splitter. En même temps, ceux qui sont 9 Splitter, je vais vous dire pourquoi je les ai pas ouverts. Alors 15€, moins 50%, ça m'est revenu à 7€. Ouais, je crois. Ouais, 7€. C'est le Siberia Bisocal. Alors pourquoi il est 9 Splitter? Tout simplement parce que je possède sur PC, je possède le collector avec le 1, 2, 3, et j'avais abandonné ce jeu sur PC tout simplement parce qu'il était trop dur. Il est vraiment très dur et du coup, je l'ai abandonné, comme j'ai trouvé un période de solde de je sais plus combien de temps, du coup je l'ai pris. C'est pour ça qu'il a encore 9 sous blister avec les tickets de moins 50%.
ton anniversaire que j'ai eu il y a 2 ans à peu près. Ouais, ça doit être ça, 2 ans. 2, 3 ans, c'est Hôtel Transylvanie 3, des monstres à la mer. Jamais testé. Je l'ai installé, enfin, je l'avais installé dans ma console, mais je n'ai jamais testé. Ensuite, un Super Mario Odyssey. Alors, vous savez, vous demandez pourquoi la jaquette elle est comme ça. C'est tout simplement parce que j'avais téléchargé la jaquette sur Internet. Je voulais la personnaliser, du coup j'ai trouvé cette jaquette super belle. Et du coup j'ai enlevé l'original pour mettre celle-là. Elle est plutôt classante. Voilà, tout simplement. Un jeu j'ai terminé, excellent. Alors ensuite il y a le Mario Party Superstar, le nouveau Mario Party. Excellent celui-là. Je préfère celui-là que le premier. Au début j'avais du mal à accrocher, mais celui-là je l'apprécie énormément. Ensuite, le Super Mario Maker 2. Bon, c'est pareil, j'ai terminé, mais vraiment très dur. Il est vraiment très dur. T'as des niveaux, c'est laisse tomber. Je l'avais revendu une fois pour acheter un autre jeu, mais je l'ai racheté. Du coup, voilà. Super Mario Maker 2. Alors, un jeu que j'ai acheté à mon frère, il me l'avait vendu 20 euros. C'était vraiment pas cher, du coup, je l'avais acheté. C'est le Pokémon Diamant Étincelant. Faudrait que je le fasse. Apparemment, il est bien. Je l'ai même pas fait encore. Ensuite, encore le nouveau Super Mario. Enfin, encore le Super Mario Party. Ça, c'est le premier. Le premier de Mario Party. Il est bien, mais je préfère le nouveau. Ensuite, un jeu que je devais vous faire sur la chaîne, mais je sais pas si ça vous intéresse de faire des let's play en vidéo ASMR sur la Switch, parce que je voulais vous faire ce jeu-là, My Time Adventure. Je sais pas ce qu'il donne, je voulais le tester en vidéo ASMR, mais je sais pas si il est encore dans The Blister. 24,99 € payé moins 70%. Je sais pas, ça vous intéresse. Du coup, je l'ai pas fait encore. Mais j'ai regardé le trailer sur PS4, ça m'a pas l'air d'être terrible. Ensuite, un Beat'em All. Ouais, c'est ça qu'on dit. Ouais, Beat'em All. Astérix et Obélix, Pavelitos. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu que j'attendais. Quand j'ai appris la sortie de ce jeu. Et je savais pas que c'était un Beat'em All. Du coup, je l'ai acheté, j'ai testé, je l'ai même terminé. Et ça valait pas mal. Mais bon, ça a rien à voir avec les Astérix et Obélix XXL. Après, j'ai Captain Toad que j'avais acheté à ma femme, elle l'a commencé. Et pendant qu'elle travaillait, puis voilà, elle travaille, du coup, elle n'a pas le temps d'y jouer. Elle a bientôt fini. Ensuite, un jeu que je vous ai fait en vidéo ASMR il y a pas très très longtemps, c'est le Cerebral Academy Bataille de Méninges. Excellent jeu. Enfin, excellent pour ceux qui veulent travailler leur méninges. Par contre, je possédais l'autre Cerebral, je ne sais plus trop quoi, mais je l'ai revendu, il n'était pas terrible. Je vous ai fait la vidéo ASMR dessus. Alors le prochain jeu, c'est un jeu que je voulais acheter sur PS5 à la base. Mais j'ai bien fait de l'acheter sur Switch, pas trop cher. Parce qu'il est nul, 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 nul. C'est le Palan Wonderworld. Il est nul à chier. Je vous conseille pas ce jeu. Alors ensuite, ça c'est intéressant. Le Splatoon 2, le meilleur Splatoon. Enfin, moi j'ai testé que celui-là. Mais moi j'attends le 3 avec impatience. Meilleur Splatoon. J'attends les Splatoon. Après celui-là de la Wii U, je l'ai pas fait, mais le Splatoon 2 il est excellent. Après on est disons collector, j'ai tout simplement le Little Nightmare 2. J'ai fait le premier, j'ai peux toujours pas fait le 2. Je suis en retard un peu. Alors ensuite, un jeu de course, Mario Kart 8 Deluxe. Bon, tout le monde connaît ce jeu. Ils ont annoncé un nouveau, pas un nouveau.
hôtel, c'est avec des vins, des courses différentes. Sur Mario Kart. Ouais. Après, ça reste un Mario Kart. Ah, ce fameux jeu, ma femme, elle l'a signé, ce jeu-là. C'est le Paper Mario. Celui-là. Elle l'a saigné, elle a terminé, elle a passé des heures dessus. Je crois qu'elle a passé plus de 30 heures. Alors ensuite, un jeu que j'avais acheté, pas à la sortie, je crois. Un jeu que j'avais acheté à la sortie, c'est le WarioWare. Le nouveau Wario. Il est terrible. À la Switch, j'y joue plus souvent. J'y joue plus beaucoup. Aller dans la chambre. Et en ce moment, je suis sur la PS5, alors je peux pas jouer à tous les jeux en même temps. Alors ensuite, un jeu neuf sur liste. Oh, ça fait longtemps que je l'ai eu là. C'est le Gianna Sister. Bon, alors, on voit pas trop bien la jaquette avec le prix dessus. Mais celui-là, j'avais testé le premier, il était bien. Ça, c'est le deuxième. Mais ça valait pas mal. Ensuite, un jeu que j'avais racheté ou échangé avec mon frère, je sais plus, c'est le Super Smash Bros. Ultimate. Le meilleur Smash Bros. Mais c'est pareil, j'ai joué un temps, après j'ai lâché l'affaire. Ensuite, il y a le Rayman Legends. Alors celui-là, ma femme l'a commencé, apparemment il est bien. Mais elle n'y arrive pas trop, c'est pas apparemment il est dur. Faudrait que je le teste un séjour. Et le dernier jeu, pareil comme Obélix, enfin Astérix et Obélix, Pavé et tous, un Beat'em All, le chèque fou. J'ai pas apprécié. J'avais acheté ça parce qu'il était en solde. Mais j'ai pas apprécié. Façon, et Beat'em up. On dit Beat'em All ou Beat'em up. Je sais plus, enfin bref. Rien ne folie Street of Rage. Ouais, rien ne folie Street of Rage. Voilà pour mes 21 jeux Switch. Alors dites-moi si vous connaissez la plupart de ces jeux ou si vous les connaissez tous. Dites-moi si vous les possédez chez vous. Parce qu'à mon avis, dans ma communauté, il y a beaucoup de joueurs Switch. Dites-moi si vous connaissez la moitié ou tout, par exemple. Et dites-moi si j'ai des bons jeux, tout ça. Et puis voilà, on en a terminé avec cette vidéo ASMR. En espérant que cette vidéo vous aura plu et vous aura relaxé. Et la prochaine fois, comme vidéo collection, ça sera sur ma collection DVD. J'en ai pas mal, ils sont tous là. J'en ai vraiment pas mal. Je sais même pas si j'en ai plus de 100. Et je vous ferai ça à la prochaine vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour voir si vous êtes intéressé pour passer dans ma vidéo. Enfin, je vous ai même pas expliqué le concept. En gros, vous faites de l'ASMR en vous filmant, même si on voit pas votre tête. Ça peut être dans un jeu vidéo, ça peut être en voyant votre tête, ça peut être en filmant quelque chose, mais en faisant de l'ASMR. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. Et je réponds à tout le monde, tout simplement. Et puis voilà. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit.